On va pouvoir commencer. Donc, Pierre Ouzoulia, je suis sénateur des Hauts-de-Seine et de la Corrèze réunie, comme je le dis souvent, mais bon, là, c'est deux territoires qui ne sont pas joints, donc ça va être un peu compliqué quand même à faire vivre d'un point de vue institutionnel. Je vous souhaite une bienvenue dans cette salle que certains appellent la chapelle. Bon, moi, je préfère lui donner un autre nom et vous regarderez là. Dans la pénombre, il y a deux Marianne là, voilà, et je ne désespère pas de les faire mieux éclairer un jour. Voilà. Tous mes remerciements vont d'abord au professeur Joie, qui m'avait proposé cette journée, qui l'a organisée de façon tout à fait exceptionnelle. Et je pense et je suis certain que c'est extrêmement important qu'au Sénat, il puisse y avoir cette respiration lente sur le temps long. Le président Larcher y est très favorable. Et moi, je tiens absolument, en tant qu'ancien chercheur au CNRS et archéologue, à ce que les sciences humaines, les sciences juridiques pénètrent largement dans cette maison pour inspirer le législateur. C'est quelque chose de tout à fait nécessaire. Alors j'ai plusieurs plaisirs à vous inviter. D'abord parce que c'est mon histoire personnelle, je suis sectionnaire. Ma famille a un droit d'affouage dans les sectionnaux d'Areil, commune de Palis. C'est là où nous faisons encore notre bois. Et c'est une tradition très, très forte, très ancrée dans la vie du village, du hameau d'Areil. Alors, Palis, c'est 220 habitants. Mais ça permet de tisser des liens. Et j'en parlais avec M. Châteauneuf, les néo-ruraux qui arrivent sont très surpris de se voir attribuer comme ça des droits d'affouage, et en très peu de temps, ils rentrent complètement dans les procédures, et c'est une forme d'intégration tout à fait exceptionnelle. Ça permet de les intégrer à la vie du village, de leur demander de participer. Ensuite, bon, en tant qu'archéologue, j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Gérard Schuker sur les problèmes agraires lors de l'Antiquité. C'est un peu lointain. Et je suis intimement persuadé que vous pouvez apporter, vous, scientifiques, des éléments qui permettent aux législateurs de s'inspirer de pratiques anciennes, et surtout de leur faire oublier une forme de réflexion manichéenne, mais qui est propre aux politiques, qui est d'enfermer dans des bocaux avec des étiquettes des choses qu'on considère comme parfaitement délimitées. Les objets à bord droit, ça n'existe pas. Et mes collègues ont, et alors dans la préfectorale encore plus, une vision très restrictive des choses, où il y a la propriété privée d'un côté, la propriété publique de l'autre. C'est des choses parfaitement définies qui ne doivent pas se mélanger. La réalité n'est pas celle-là. Alors la pratique quotidienne de la gestion des sectionaux n'est pas celle-là. Et historiquement, cette vision de la propriété, elle est révolutionnaire, elle date de 1789. Je parle sous bon contrôle, monsieur le professeur, mais pendant très longtemps, pendant l'Antiquité, mais aussi pendant le Moyen-Âge, les choses n'ont jamais été définies de façon aussi claire. Il y a eu une interpénétration. Et ce matin, avant de vous rejoindre, j'ai repris l'excellent ouvrage de Gérard Schuker, « Code de droit agraire romain ». Référence antique pour le pluralisme et les anciens régimes fonciers. Alors, c'est publié en juillet 2022. C'est pas un livre de chevet, Gérard, hein, quand même, c'est un gros pavé. Et c'est tout à fait exceptionnel quand on lit ça, de voir comment, sur la longue durée du 4e siècle avant Jésus-Christ au 4e après, l'Antiquité a systématiquement repris ses définitions pour les modifier, pour les adapter à la situation nouvelle. De la possession privée dans la guerre publicus, et après, tout doucement, il y a la mise en place, je parle sous ton contrôle, Gérard, d'un régime juridique mixte, privé-public, qui fait qu'on arrive
à des notions qui nous paraissent, nous, étranges, avec nos yeux de contemporains, qui est celle de la guerre privatus waitigalisque. Donc il y a une possibilité d'une possession privée de la guerre publique, et après ça finit avec les locations emphytéotiques et puis la location perpétuelle. Donc là, il y a toute une évolution qui est passionnante. Et pour nous, législateurs, au Sénat, ce dont nous avons besoin, c'est justement de cet inventaire de tous les possibles. C'est ce catalogue de tout ce qu'il est possible de faire, parce que nous le disions ensemble tout à l'heure, bien évidemment, il y a des territoires où il n'y a pas de pratique, ni des communaux, des sectionaux. Je pense à la Dordogne, par exemple, qui est juste à côté, mais où ils pourraient parfaitement s'inspirer de ce qui se fait, des pratiques qui se font dans les sectionaux et les communaux, pour inventer de nouvelles relations aux fonciers agricoles dont on a beaucoup besoin aujourd'hui. Hier soir, j'étais dans l'hémicycle pour discuter d'une proposition de loi sur l'agrivoltaïque. Comment on peut installer sur des terres agricoles des panneaux solaires afin de trouver d'autres revenus agricoles. C'était une discussion passionnante, mais on sent bien qu'il y a des points de vue qui sont antagonistes, hein, et que notamment sur la gestion des revenus et puis la mise en concurrence des revenus de l'énergie, des revenus agricoles, on est vraiment dans le sujet qui nous occupe maintenant. Je ne vais pas être plus long, parce que vous savez, au Sénat, on a le droit de parler deux minutes. Donc, quand vous libérez un sénateur sans contrainte de temps, là, il y en a pour la journée. Je vais céder ma place, alors de façon tout à fait symbolique, pour montrer que je parraine ce colloque, mais je ne l'organise pas et je ne me permets pas, en tant que sénateur et législateur, d'intervenir dans la production scientifique. J'ai le plus grand respect pour les libertés académiques, et je crois qu'il faut laisser aux scientifiques la possibilité de produire eux-mêmes la documentation scientifique, avec leurs normes disciplinaires, avec les régulations qu'ils définissent pour la production scientifique. En revanche, nous devons rentrer dans un dialogue fécond, et pour ça, il faut qu'ils soient respectueux des uns et des autres. Donc je m'arrête là et je cède mon fauteuil avec un coudoir, vous voyez, au Sénat, tout est parfaitement symbolique et organisé, au président de la séance, en vous disant une nouvelle fois combien j'ai plaisir à vous recevoir. On essaiera d'organiser, quand on a un petit peu de temps, une petite visite du Sénat, parce que je crois qu'il n'y a pas de séance dans l'hémicycle, donc on pourra rentrer, et je vous montrerai encore comment au Sénat tout est symbole et comment la culture parlementaire du Sénat peut se lire, y compris dans l'organisation de l'espace, et on revient aussi un peu à la thématique de ce colloque. Voilà, je vous remercie. Merci. Bien, alors à mon tour de dire vraiment deux mots d'accueil. Souhaiter la bienvenue à vous toutes et tous. Organiser ce colloque au Sénat est une étape importante dans un processus de recherche qui a démarré depuis 2018, qui nous a amené, mon équipe, il y a un écho, qui nous a amené à sillonner les campagnes françaises et aussi certaines campagnes à l'étranger pour savoir ce que ces communs fonciers représentaient aujourd'hui encore. Et on reparlera de ça, bien sûr, tout au long de la journée cet après-midi, mais il est apparu nettement que ce n'était pas l'histoire ancienne que certains promettaient. Alors, quelques éléments d'organisation. D'abord, monsieur le sénateur a cédé sa place, mais je sais qu'il est là et il sera très attentif. Je l'en remercie vraiment chaleureusement d'avoir aidé et d'avoir pris le relais
pour organiser cette journée. Madame Cœur-Joly, la collaboratrice et toute votre équipe, merci infiniment. Nous allons enchaîner les interventions. Je demande à tout le monde de respecter le temps de parole imparti pour que vous puissiez toutes et tous poser des questions et débattre de ce sujet. Il n'y aura pas, à proprement parler, de grosses pauses entre les temps, juste peut-être le temps de faire 2-3 changements ou de lancer des PowerPoints, etc. Mais vous avez tout loisir, si vous voulez faire une pause, d'aller sortir et d'aller notamment boire un verre d'eau ou un café aux machines. Donc, place au débat en priorité. Nous avions prévu aussi de vous adresser à toutes les personnes qui s'étaient inscrites, et vous êtes très nombreux, hein, nous avons fait le plein, si je peux dire, aujourd'hui. On a même dû refuser beaucoup de monde, on voulait organiser une séance en vidéo, en streaming, mais pour l'instant, on a eu des petits problèmes techniques, du coup, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui était intéressé par cette thématique qui monte en puissance. Mais du coup, on n'a pas pu vous distribuer à l'avance les résumés et PowerPoint qui vont être présentés, mais on propose de vous les adresser après coup, par les mails de l'inscription. Pour nous, être au Sénat, c'est vraiment quelque chose de symbolique et de très important politiquement. Et il est d'autant plus intéressant que dans les toutes dernières années, il y a eu deux propositions de loi relatives au commun qui ont été proposées, qui ont été débattues dans cette instance. Une qui a été débattue, c'est une proposition de loi constitutionnelle en 2020, numéro 419, destinée à reconnaître les biens communs, mais qui a été rejetée. Et puis, il est intéressant d'être ici parce que, précisément, où en 2019, un sénateur a proposé carrément la dissolution des sections de communes, c'est-à-dire une des catégories de communs qui existent, c'est-à-dire proposition de faire table rase du passé et de ce patrimoine. Proposition de loi numéro 169 du sénateur Chaise. Mais c'était avant la crise Covid, avant la guerre en Ukraine et peut-être avant la prise au sérieux du réchauffement climatique. En tout cas, voilà plein de raisons d'être ici aujourd'hui. Nous allons maintenant débuter le programme tel qu'il vous a été présenté. Alors, vous trouverez, si ce n'est pas déjà fait, des programmes en format papier qui étaient déposés à l'entrée, voilà, si vous en avez besoin.